comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like a fool. Here comes the. Here comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like a fool. Here comes the. Here comes the. Here comes the. Boy, does he smell it. You're never getting the double L. I said so. I keep it buzz up in my heart. Salut à tous et à toutes, on se retrouve donc aujourd'hui pour la cinquième news, cinquième vidéo déjà sur WWE 2K16. Donc cette news, donc là je recorde le mardi, donc vous devrez la voir aujourd'hui même vers 16h je pense, si j'ai le temps de l'upload. Vers 4h vous devrez la voir. Donc cette news, donc tout d'abord on va pouvoir voir le tweet que nous a posté WWE 2K Dave. Donc qui est une source sûre. Donc notre première image du jeu pour WWE 2K16, donc on peut apercevoir donc Finn Balor sans peinture et avec peinture. On va un peu plus maintenant analyser l'image, parce que je vous avais dit qu'on allait analyser l'image. Ce soir on devrait avoir le premier trailer du jeu, donc je pense qu'on va aussi passer beaucoup de temps devant le trailer à le mater. Donc on va analyser un peu l'image. Donc on peut voir que sur la télé derrière, c'est donc VLC Media Player, donc c'est une vidéo, qu'on arrive à la fin, donc une vidéo, parce qu'ils adorent faire des petites vidéos des persos et tout. Et en haut à gauche, on peut voir donc Finn Balor 02 MP4, donc est-ce que ça veut dire que ça serait la deuxième tenue de Finn Balor, donc la tenue en peinture. Et de plus, alors là c'est ma supposition personnelle, je pense que ça serait donc la tenue de NXT Unstoppable. Pourquoi? Ben tout simplement parce que de une, dans le tweet il dit for the first time and it's a demon. It's a demon, c'est donc la référence à la tenue de NXT Unstoppable. Et de deux, si on regarde sur ses épaules, il a comme des écailles, si on veut, de démon. C'était donc sa peinture qu'il a eu donc à NXT Unstoppable. Donc ça serait pour moi quasiment sûr que ce soit la tenue de NXT Unstoppable. Donc on devrait avoir l'œil du démon en peinture, donc dans son dos. Elle peut être assez beau, assez bon pour les yeux surtout. Et donc ta première tenue, donc ça serait sans peinture, donc ça serait en fait donc ta vue à gauche là où vous voyez qui sourit. Ben c'est tout ce que j'ai à dire sur ça, à part que sur le perso de derrière il est juste magnifique. Niveau graphisme ça a l'air juste d'être de la tuerie. La peinture n'a l'air pas encore trop très très bien nette, mais ça doit être l'effet vidéo, l'effet visuel, l'effet avec la lumière. Par contre, les genres de tresses qu'il a au niveau de son sorte de bandana là sont vraiment très très belles. On peut voir des petits points sur certaines. Ça a l'air, c'est vraiment beau. J'ai hâte d'avoir le jeu en main et j'ai hâte de pouvoir tester. Donc c'était une news assez courte. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira. On se retrouve donc très très vite pour la sixième news. Qui concernera le premier trailer de 2K16. Je vous dis à la prochaine and peace out.